comment on peut se préoccuper finalement de la foi des autres? C'est une question que nous nous posons à Thésée depuis très longtemps. Frère Roger était très préoccupé de cette question. Comment transmettre la foi? Et il était convaincu que c'est par notre vie. Si notre vie rayonne rien de l'Évangile, nos paroles font rien du tout. Donc c'est par notre vie que nous devons transmettre la joie de croire, et surtout par une vie de communauté. La foi n'est pas quelque chose d'individualiste. La foi, c'est toujours quelque chose en communion. Et nous sommes très heureux de préparer ici la rencontre à Strasbourg, cette rencontre européenne, parce que les jeunes aujourd'hui ont besoin d'une expérience de communion, d'amitié. Et c'est ça qui interroge. C'est cette expérience de communion qui interroge. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui nous réunit? De tant de pays, de tant de langues, de différentes églises, différentes mentalités, et nous faisons l'expérience d'unité avec des personnes que nous ne connaissions pas avant. Nous sommes accueillis dans des familles qui ne nous connaissaient pas du tout. Cet étonnement qui est suscité par une telle rencontre conduit à la question, mais qui est Jésus? C'est Jésus qui nous réunit. C'est Jésus qui nous réunit. Nous célébrons la prière 3 fois par jour pendant cette rencontre européenne. Alors le Christ nous réunit dans cette communion. Ça éveille la question, mais qui est le Christ? Et ça peut conduire au risque de la foi. Vous pouvez nous en dire davantage sur cette communion? À Thésée, semaine après semaine, nous accueillons les jeunes et les moins jeunes pour une semaine. On se retrouve dans l'église pour prier, mais pas seulement cela. Il y a des introductions bibliques, on écoute et on s'écoute les uns des autres. Et dans cette écoute les uns des autres, il y a des amitiés, il y a une compréhension qui grandit et simplement une joie est donnée. La joie de la communion est donnée. Et c'est cette joie-là qui ouvre les cœurs. Et tout à coup, les jeunes formulent des questions. Et ce sont des questions existentielles aujourd'hui. Quel est le sens de ma vie? Est-ce que la confiance en Dieu est possible? Comment croire en Dieu aujourd'hui dans un monde où tout semble tellement complexe? Et où l'infinité du monde, comment croire en un Dieu qui s'occupe de chacun personnellement? C'est des questions que des jeunes posent aujourd'hui.